Et coucou. Les chansons des campagnes électorales, c'était plutôt ça. Aujourd'hui, il y a une nouvelle campagne qui commence. C'est pas si évident que ça de trouver de la bonne musique. Et c'est pour ça que nous avons demandé à un grand mélomane dans la rédaction. On va voir ce qu'on trouve. Ben, vous m'avez demandé, alors j'ai trouvé des chansons, oui. Et je vous ai bien pourri votre week-end. Ça va. Bon, pour Hollande, par exemple. Hollande, j'ai choisi Taxman, c'est une chanson de George Harrison. Ouais. Parce que les Beatles ont commencé à gagner beaucoup d'argent, ils ont eu beaucoup de succès, et le gouvernement était travailliste, socialiste. Et ils se sont aperçus que les impôts étaient quand même très élevés. Et Hollande, parce que son grand thème, c'est la réforme fiscale. Moi, je trouve qu'il a raison, et qu'il faut effectivement faire une réforme fiscale, mais il doit s'attendre à ce type de critique. François Mirou, c'est l'homme seul, c'est le centriste fier et courageux, solitaire, contre tous, et donc... Ah, attendez, vous allez c'est deviner. Une idée. Et regardez. Une chanson de Goldman. Alors, j'ai bon? Eh bien voilà, vous avez bon. Trouvé. Très bien. Pour Marine Le Pen, alors, qui est... Non, c'était bien. Marine Le Pen, elle se trompe de France. Mm-hmm. Elle croit qu'elle est la seule à défendre la France et que les autres sont des apôtres de l'abandon, du déclin, etc. La France, c'est quoi? C'est la Marseillaise, la France? La France, c'est la Marseillaise, mais c'est pas la Marseillaise de Marine Le Pen. C'est celle de Gainsbourg. Ah, bien. Bien. Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. De celle qui sourit tout le temps à celui qui ne sourit jamais, il y a quand même. Et oui, alors c'est assez curieux, Mélenchon, parce que c'est un homme de gauche, donc en principe la gauche est plutôt ouverte, généreuse. Et lui, il prend toujours un aspect méchant. Alors, c'est pour se faire entendre, évidemment, parce qu'il est minoritaire. Mais quand même, c'est un garçon agressif. Et je trouve que c'est pas une très bonne idée. Il a des idées qui peuvent se défendre, mais cette espèce d'apparence revêche, gueulard, grognon, comme ça, ne correspond pas. Voilà. Donc celle-ci. Donc Souchon. Déjà mes parents dans le temps voulaient que j'aille faire le charmant chez les amis de mon grand-père, des pharmaciens, des notaires, qui me trouvaient carrément méchant, jamais content. On n'en a pas oublié, hein. Ah, non, bah si, le président de maintenant. Sarkozy. Voilà, c'est ça. Alors, pour Sarkozy, qu'est-ce qu'on met? Le problème de Sarkozy, c'est qu'il a suscité beaucoup d'espoir, en tout cas auprès d'une partie des gens, d'une majorité, et qu'il a largement trompé, puisque ses promesses, pour la plupart, n'ont pas été tenues. C'est pas entièrement de sa faute, mais quand même. Et donc, il y a un reproche et une conclusion. Le reproche? Si seulement tu m'avais dit la vérité. Ouais. La conclusion. Ben à présent, tu peux t'en aller. Oh, c'est pas gentil. Oh, c'est mauvais esprit. Ah, pas bien. Pas bien. Je cautionne pas du tout ce que dit mon patron. Si seulement tu m'avais dit la vérité, nous ne serions pas sur le point de nous quitter. J'aurais toujours gardé au fond de moi l'amour que j'ai eu peur de perdre tant de fois. Puisque tu as triché, à présent tu peux t'en aller. Une dernière petite chose, je sais que vous aviez une spéciale caisse dédiée, le bonus track. Là, on est dans la nostalgie, mais je crois que ça correspond bien au personnage de Ségolène Royal. Le bonus track. Si jolie que je n'osais l'aimer, elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Dans le parc où frissant. Sa robe tourbillonne, puis elle disparaît.